paix avec ma copine, j'ai fait la paix avec ma soeur, je souhaiterais aussi faire la paix avec le diamant bleu. Si tu avais dit ça, pipi, je te jure que je jure ma grand-mère qui est morte, je te mens pas que tu devais gagner. Mais la sagesse t'a manqué. La sagesse t'a manqué. C'est pour ça que ta yam soeur est plus sage 100 fois que toi. Et quand elle voit que tu es bête, elle est contente. Et tu vas voir demain, malgré tout, tu vas demain, elle va dire ma copine une place. Elle dit que si tu avais fait ça, même le jour que tu as fait à l'île là-bas, chez René Stadelin, si tu avais dit que oui, j'ai fait la paix avec ma yam soeur. Mais je me dis, si je pourrais aussi faire la paix avec tout le monde, et le diamant bleu, je te jure, si tu avais dit ça, pipi, tu aurais gagné. Ne te manque pas. Tu devais sortir grand. Tu veux montrer à ta yam soeur que ce qu'elle veut faire avec toi, là, que tu es plus sage que elle. Mais elle t'a écrasé. Elle t'a écrasé. Elle ne t'a pas mis dans la bouteille. Non, c'est toi-même qui es entré seul. Pipi, c'est toi-même qui es entré seul dans ta bouteille. Seul. On ne t'a pas appelé. C'est toi-même. Père, tu étais bête. Tu étais bête. Mettez tête de mort. Maman souffrait d'entendre. Pipi, c'est ma soeur. C'est ma soeur Barantela. Elle doit la conseiller. Oh, pitié à baver ça. Mais je dois conseiller, Pipi. C'est ma soeur Barantela. Oh, je vais la conseiller. Vous voulez quoi? Je ne vais pas voir ma soeur Barantela dans le gouffre et ne dire rien. Tu es malade. Je te bannis. Tu n'aimes pas Pipi comme moi, maman. Hein? Tu as compris? Tu n'aimes pas Pipi comme moi, ma chérie. Tu n'aimes pas Pipi comme moi. Tu n'aimes pas Pipi. Pipi, c'est une soeur camerounaise. Et c'est ma soeur Barantela. Je dois la conseiller. Je dois la conseiller parce qu'elle est bête. Elle dit que vous, les Pipi Mania, souffrez d'entendre ce qu'elle doit dire à Pipi. Elle doit sortir d'où elle est là. Elle doit se réveiller. Elle doit se ma soeur Barantela. Je dois lui dire les vérités. Parce que si on part à Barantela, on va se rencontrer. Aura. Ça ne choque pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez tellement la haine de Facebook. Vous voyez, il y a une paix. Quelqu'un bénéficie seul. L'autre ne bénéficie pas. Vous voyez qu'on vient applaudir. Je ne suis pas dedans. Je n'applaudis rien. Si tu as les oreilles pour entendre Pipi, je ne peux pas encore t'appeler avec les noms parce que je n'ai pas encore le mal de ma soeur grand-mère à moi. Je vais prendre le temps avant de t'appeler. Mais pour te frapper, pour te dire la vérité, réveille-toi. Tu es la perdante dans ça. On te tue. N'accepte plus qu'on ne tue ton image gratuitement. Tu as une image à préserver et sors dans ce que tu es là. Tu peux te remettre. Même si papa Fodia est parti, tu as fait du mal à papa Fodia et tu es en train de payer ça. Tu ne peux pas te mettre dans en plein live. Tu dis que tu vas préparer le coquille, tu vas mettre quelque chose à l'intérieur et tu ne viens pas demander pardon. Laisse que tu entres. Les gens te trompent. Si tu pouvais écouter mon conseil, tu es perdante dans cette paix. Tu ne gagnes rien. Par contre, elle gagne. Elle se fait de l'argent. Mais toi, tu ne te fais pas de là. Si elle t'aimait, elle pourrait te mettre même dans un de ses cachets. Dans un de ses cachets que mettait ma soeur dedans, on part ensemble. Mais elle dit non. Une place. Parce qu'elle sait que tu n'as personne qui peut t'inviter. Parce que tu as sali ton image en mettant le tribalisme à l'intérieur. Tu as sali ta paix en mettant le tribalisme dedans. Regardez par exemple, elle. Une fois, elle est partie sur TikTok. Elle a dit « Kacham à Amé Kamer ». Ça devait apprendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort le lendemain. Elle fait un direct. Elle dit que la nuit porte conseil. La nuit a porté conseil. Elle a dit que non, qu'on laisse. Si Amel Kamer parle d'elle, il fait sa publicité. Parce qu'elle a senti en elle que ce qu'elle a sorti, c'était mauvais. Mais toi, tu as clashé avec Amel Kamer. Tu as dit que tu vas appeler tous tes amis, tous tes frères bambiniqués contre Amel Kamer. Les gens ont senti que tu es tribaliste. Et toi, ce qui est énervant, c'est que Pipi, quand tu fais une erreur, tu ne reviens pas demander pardon. Non. Et les gens, Facebook n'est plus comme il était avant. Hein. On ne manipule plus personne. C'est pour ça que je te dis que votre père là, ta yam soeur a vu ta. Elle a vu que tu es trop bête. Elle va te laisser dans ta bêtise, mais elle va gagner son argent. Pour elle quoi? Oh, pour elle quoi, maman? Pour elle quoi? La dernière fois, tu as fait le direct. Tu as dit que ma yam soeur. Maman, laisse, le conseil, Pipi, c'est ma soeur, maman, le conseil, Pipi, c'est ma soeur Barantela, elle est mourir. C'est ma soeur Barantela, il m'occupe pas, le conseil, ma soeur Pipi, oh, c'est de ça qu'il s'agit. Elle va gagner aussi dans la paix, là. Vous mentez, vous croyez que quoi? Elle va gagner dans cette paix. Je conseille ma soeur Barantela, oh, Pipi, reveille-toi, maman, reveille-toi, reveille. Si tu veux, tu écoutes ce que tu veux.
Laisse le diamant bleu. Ce n'est pas elle ta rivale. Le diamant bleu n'est pas ta rivale. Elle n'est pas ta rivale, Pipi. Ce n'est pas elle ta rivale. Ce n'est pas elle ta rivale. Ne t'accroche pas à elle. Ne prends pas ta haine. Tu es en train de perdre. Tu t'enfonces sur toi. Pendant qu'elle, elle gagne. Elle gagne. Elle a signé son contrat avec Guta. On a vu ici. Hein. Toi-même, tu as dit que le diamant bleu n'apporte rien. Le diamant bleu ne fait ceci. Le diamant bleu a valorisé les produits Guta. La Guta Boss, c'est elle qui a pris le pouvoir des Guta sur Facebook. Quand le diamant bleu a touché les produits Guta, tout Facebook a pris l'ampleur. Elle a rempli tout. Les catégories. Amélie ne peut même pas laisser le diamant bleu. Jamais. Elle meurt qu'avec. Et le cachet de ma pépé, elle est pelle-mêle. Ma pépé pas où son cachet là. Ma pépé a gagné sur Meta. Malgré que tu vas l'insulter. Maman, je parle. Je conseille pour moi. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Tu ne l'aimes pas. Il te bloque. Malgré que vous avez dit là. Malgré la personne à qui ma grande soeur fait concurrence, c'est ma pépé. Elle sait dans sa tête que c'est les deux stars. Toi, on ne te compte pas parmi les stars. Tu es que sa yame sœur. Est-ce qu'avec toi, tu n'es pas une rivale pour elle? Ma grande soeur, c'est que toi, Pipi, tu n'es pas une rivale pour elle. La rivale de ma grande soeur, c'est ma pépé. Les deux là, c'est le 9 et le 10. Les deux grandes stars de Facebook. Tu as compris? Maman ne paye pas son contrat. On la paye par mois. Elle gagne. Elle est au Cameroun, elle est payée, elle est logée. Partout où la Guta l'amène, elle est logée, elle est payée. Voilà ce qu'on appelle une vraie star. Mais toi, Pipi, tu gagnes quoi dans ça? Rien. Tu n'es pas la rivale de ma grande soeur. Pour elle, elle peut dormir la carte avec toi. Par contre, le diamant bleu, elle a les yeux ouverts. Elle a les yeux. Elle sait que non, elle ne veut pas que le diamant bleu la gagne. Elle veut tout rester. Les deux là. Ces deux là, c'est comme ça. Mais toi, tu n'es rien. Tu es petit bounantinkin. Donc, ça veut dire que ma soeur, il faut ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre, c'est pour parler le baranté. Comme monsieur quelqu'un qui a vécu au village, qui a vécu à Douala. Je ne crois pas causer le baranté. C'est pour parler le baranté. Je te parler en baranté, que tu ouvres tes yeux. Mais tu vas dire que c'est l'âme humaine qui. Ouais, Isaac en parle même quoi comme ça. Elle est jalouse. Je suis jalouse de quoi? De rien. Ça ne m'intéresse pas. Mais je te dis que tu ouvres les yeux. Ne t'accroche pas sur le diamant, mais ce n'est pas elle. Tu as compris? Hein? Tu vois un peu? Tu es tellement haineuse. Tu dis que les bamlékés doivent s'acharner sur la main quand même. Mais quand tu as fauté, tu ne peux pas venir au ventre. Tu ne peux pas dire que non, non, je m'excuse. Tu cales là-dedans. Tu continues dans la bêtise. Tu continues dans la bêtise. J'ai fait la paix. Une paix qui ne t'apporte rien, maman. Une paix que tu ne gagnes même pas, même un contrat. Une paix qu'on ne t'amène même pas quelque part. Qu'on ne t'amène même pas que non, on vous a aimé même quelque part en Allemagne. Non. Elle a ici. Elle a une soirée en Allemagne ici. Ici en Allemagne. Elle t'a mis dedans. Elle pourrait même dire que ouais. Tu sais que ouais. Le producteur, à toi quel événement, pardon, tu sais que j'ai fait la paix avec ma Yamsoe, non, pardon. Si tu peux mettre un peu ma Yamsoe dans ça, on part chauffer ton truc, ta soirée. Comme ça, les gens vont venir. Eh, pardon. Elle sait qu'elle n'a pas besoin de toi. Elle seule, c'est d'abord remplir la salle. Elle n'a pas besoin. Tu n'es pas une rivale pour rien. Elle a fait la paix avec toi parce qu'elle ne veut plus avoir elle veut plus être dans la saleté de boucle que tu l'as mis avant. Et tu n'es pas une rivale pour elle. Sans, elle s'est abeille rempli la salle. Elle ne t'a pas mis dedans. Pourquoi? Tu n'intéresses pas. Par contre, le diamant, ils sont partis à ça. Dans tous les soirs, ils sont partis à ça. C'est vous qui avez détruit les paix. Parce que vous avez sorti les anciens voices. Les voices qu'on dit qu'on met quelqu'un dans la poche. Il dit que, venez ici. Venez ici. Mettre quelqu'un dans la poche. Vous êtes tellement hypocrite. Pipi, tu as vu où ça t'a amené. Elle a mis ma yam sœur dans la poche. Toi qui avais dit dans un direct, tu as dit que ta yam sœur, la maison qu'elle conçoit au Cameroun, là, elle ne va jamais entrer dedans. Entre ça, quel est plus mauvais? Pipi, tu vois comment Dieu te punit? Tu vois comment Dieu te punit? Toi, tu avais dit que la maison où ta yam sœur conçoit au Cameroun, elle ne va jamais entrer dedans. Toi, entre mettre quelqu'un dans la poche et la maison qui construit là. Mais comme tu es tellement haineuse, tu l'es accamparé des abeilles. Tu te dis que non, si tu viens mettre encore le venin sur la fête des audios là, les abeilles seront racolées à toi. Mais on t'a là invité ou alors Pipi? Au moins sur le diamant bleu, les abeilles ont cité. Hein. Au moins sur le diamant bleu, les abeilles au moins l'ont amené quelque part. Hein. Ils sont comme allés dans les soirées, hein, Pipi. Pipi, tu as vu ta haine? Au moins sur le diamant bleu, les abeilles l'ont emmené quelque part. Ils sont quand même allés dans les soirées ensemble. Hein.
pas une, pas deux, pas trois, plus de quatre fois dans les soirées ensemble. Tu devais y comprendre. Quand ils ont fait la paix, le lendemain, elle les a invités à faire les soirées. Ça n'a même pas tardé. Mais c'était une paix qui était bénie. C'était une paix qui était vraie. Est-ce qu'il y a eu les larmes? Il y a eu les larmes. Est-ce que toi, tu as causé avec son fils? Avec Choupi? Tu as causé. Par contre, maman Pépa a causé avec son fils. C'était une paix qui a eu les larmes. C'était une paix qui était sincère. Mais vous êtes venu détruire. Tu es venu détruire en disant que, oh, les audios, elle a mis ma Pépé dans la... Elle a dit qu'elle va mettre sa ma Yancé dans les poches. Alors que toi-même, au lieu que toi-même, tu as dit ici que non, que la maison que ta Yancé construit là, elle va pas entrer. Toi, tu as demandé pardon, Pépé. Pipi, est-ce que toi tu as demandé pardon à ta yam sœur? Est-ce que tu as demandé pardon à ta... Tu ne... Par exemple, toi, tu es une personne que tu ne connais pas demander pardon à quelqu'un. C'est ça le plus pire sur toi. Tu n'as pas demandé que ma yam sœur, le mot que j'ai dit que la maison que tu construis au Cameroun, tu ne vas pas entrer. Je retire le mot là. Mais tu n'as pas fait ça. Mais tu t'assois pour vouloir dire que le diamant bleu avait dit que elle va mettre ma yam sœur dans les pots.